Coach, maintenant que vous êtes ici, qu'est-ce que vous sentez? S'il vous plaît, le micro, s'il vous plaît. Moi, comme je le sens, oui. Bah, on a cherché ça depuis 3 ans, on y est. Partons les micros. On a beaucoup travaillé pour être là. Dernière préparation, dernier match, nous donnait beaucoup de satisfaction. Bah, on est venu là pour essayer de faire quelques espoirs. Est-ce que l'équipe est capable? C'est difficile de dire, mais toutes les indications sur le terrain montrent que l'équipe est prête pour jouer la Coupe du Monde. Tout le monde parle de la Belgique. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment notre adversaire le plus difficile des fois? Pas par la Belgique qui est nettement plus fort comme nous. Mais dans un match, il peut se passer choses bizarres. On ne peut pas surprendre, mais pour faire surprendre, il faut faire match d'exception. On verra. Vous avez vu la prestation de la Belgique contre la Tunisie. Ils ont fait un match très très difficile. Est-ce que vous pensez que du coup, ça peut donner des chances à l'équipe algérienne? J'ai regardé bien, mais il ne faut pas regarder, c'est une piège énorme. Je connais bien l'équipe de Belgique. Ce match, c'est une promenade, ils ne s'est pas blessé, ils veulent juste terminer leur préparation à sa façon pour petite victoire. C'est rien à voir avec Belgique, on aura 17 joueurs. Coach, est-ce qu'il y aura un troisième match ici? Pardon? Est-ce qu'il y aura un troisième match ici Normalement, si on ne trouve pas quelque chose, on trouvera entre nous, on va jouer. Merci. Merci. Merci.